Tu veux 10 000 Robux? Suis bien le tuto et abonne-toi. Yo les gars, comment vous allez? Alors aujourd'hui c'est une vidéo pour avoir des Robux à l'infini. Vous avez juste besoin de 10 Robux. Bon, je vous montre ça tout de suite. Alors en premier temps, il va falloir aller sur ce jeu. Donc je vous le montre, je le mettrai dans la description. Une fois que vous êtes dans ce jeu, bon vous cliquez ici. Je vais tout faire au tout début pour vous du coup. Je vais vous montrer comment installer un stand, comment créer un vêtement. Alors, vous allez vous retrouver ici. Ce que vous faites tout de suite, c'est que vous allez rechercher un stand vide. Alors, ici un stand, voilà. Alors, vous allez ici, vous faites E. Voilà. Une fois que vous avez ça, bon, normalement, vous avez rien ici, hein. C'est parce que moi, j'ai déjà créé des vêtements. Alors, vous allez tout de suite sur votre... Hop, sur votre profil. Donc, je vais changer d'écran par contre. Alors, on va faire ça. Voilà. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez dans Créer. Ensuite, vous allez dans T-shirt. Ou alors shirt, hein, en fait, comme vous voulez. Mais moi, personnellement, je préfère aller sur T-shirt. Vous allez dans Choisir un fichier. Alors, en premier temps, vous devez... télécharger, moi personnellement j'ai téléchargé une image sur internet, donc j'ai téléchargé celle-là, je vous la montre tout de suite, j'ai téléchargé celle-là. Une fois que j'ai téléchargé celle-là, je vais ici, alors on retourne ici, je vais choisir un fichier et je vais le prendre dans bureau. Alors, allez ici, voilà, je clique dessus, alors je vais peut-être retirer les tirés, ça va peut-être pas marcher, je vais marquer juste... Robux, comme ça je vais faire exprès de mettre un peu pour pas que ça marque juste Robux. Je vais faire upload. Alors, ok, donc je peux pas mettre ce nom. Donc, du coup, je vais mettre un autre nom. Je vais mettre genre, je sais pas, je vais mettre n'importe quoi. Hein. Je vais marquer gag. Hop, juste pour dire que ça passe. Et on va remettre l'image. Alors, c'est ça. On va laisser vignette. Bon, allez, hop, je vais laisser vignette. Voilà, ça marchait. Donc le t-shirt, il est ici. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le configurer. Donc vous allez dans Configure. Vous allez dans Vente. Vous le mettez à vendre. Et vous le mettez, donc comme là, moi, j'ai déjà 2$, ce que je vais faire, bah, je vais encore mettre 2$ en vrai. Donc je vais faire 2, je le laisse à 2 du coup. Vous pouvez le mettre au prix que vous voulez, mais franchement, je vous conseille de le mettre à 2. Comme ça, vous êtes sûr que ça part rapidement. Donc là, je mets 2. Je fais Enregistrer. Je dois payer 10 Robux pour le mettre en vente. Mais le truc, c'est, sachez que vous le faites une fois et après ce t-shirt-là, vous pouvez le vendre à l'infini. Donc je fais confirmer. Donc admettons, si vous mettez un t-shirt que vous payez 10 Robux pour le mettre en vente et que vous le mettez à vendre à 10, et ben en fait, vous êtes déjà remboursé. Et après tout ce qui est des ventes en plus, et ben c'est du surplus, quoi. Ok, donc ça c'est fait. Donc oh, j'enregistre, je pense que c'est déjà enregistré. Ok, maintenant on retourne sur le jeu. Alors je vous remets de l'écran par contre. Hop, voilà. Une fois que vous êtes ici, vous faites re-edit. Par contre, vous appuyez sur refresh. Et voilà. Et le pull il est ici. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un texte. Donc moi personnellement, je mets une donate égale un hugs, et voilà, un câlin. Une donation égale un câlin. Et voilà. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille d'acheter le panneau. Moi personnellement, je l'ai pris. Ça coûte, je crois que c'est 100 Robux, je crois, un truc dans le genre. Et voilà. Et comme ça, en fait, vous pouvez aller où vous voulez. Comme ça, les gens qui vont sur le stand, ils vont sur le stand. Mais tous ceux qui vont pas sur votre stand, vous pouvez les récupérer ici, on va dire, quoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Regardez, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je tâcherai de vous répondre, du coup. Bon, bah, à la prochaine pour un nouveau tuto, les gars.